Je n'ai encore jamais eu un vêtement aussi élégant. Remarquable, n'est-ce pas? Remarquable. Sans aucun doute, remarquable. Ce processus rebutant pour s'habiller. Même pour me couper les ongles, j'ai besoin à présent de mes lunettes de lecture. Le pantalon, le pantalon n'est pas trop long. Pantalon trop long. Le pantalon n'est pas trop long. Je pensais, je vais le faire raccourcir. Ces mêmes lunettes avec lesquelles je lis Voltaire, je vois les ongles de mes orteils. Nous ne devrions vivre que jusqu'au moment où, pour nous couper les ongles des orteils, nous avons besoin de lunettes. C'est déprimant, puisqu'en contrepartie, nous ne sommes pas devenus plus intelligents, seulement plus douillets. Et au moment le plus inopportun, nous perdons qui nous est le plus proche. Je ne me séparerai pas de ces objets. Pourtant, c'était mon idée, pas l'idée de Robert. Tout au monde piété, ai-je dit, au premier instant. Au tout premier instant. Peu à peu seulement, il devient clair qu'elle est partie. Définitivement. Tout fait mal. Plus ou moins. Nous ressentons seulement quand ils sont morts qu'en fait, ils étaient là. Personnage répugnant, le pape. As-tu souscrit au nouvel emprunt d'État? Ma bonne enfant, ma guille aveugle est un œil. Du gauche! Elle en avait la preuve, elle avait fait le test. Le test? Elle disait qu'elle avait fait le test. Mais comment? Elle avait imaginé un truc! Imagina un truc! Le test de folie! Toujours détester la tauromachie. J'aimerais tellement écouter de la musique maintenant. Je ne veux plus parler. Plus rien.
toujours pensé à toi. Fais confiance. Toujours voulu suivre ton exemple. Mathilde, oui. À présent, elle manque. Mais que la petite maison de week-end est liée à toi, ça m'agace. À moi. Mathilde, à toi. À moi. De Mathilde, à toi. Ça m'agace. Oui, m'agace. 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 Si c'était vrai, ce serait beau.